Le déficit pluviométrique et les conditions estivales observées depuis plusieurs semaines ont entraîné une situation de sécheresse avec une baisse des débits de tous les cours d'eau en Moselle. Tous les usagers sont soumis à des restrictions particulières. Les interdictions s'appliquent jusqu'au 31 août, sauf évolution de la situation. L'association Courez avec nous Sarreguemines, qui a fêté son 40e anniversaire cette année, a repris l'entraînement. Des courses comme les Sarreguemines contre le cancer ont été annulées pour cause de Covid-19. La première organisation devrait se faire le 18 octobre prochain pour les 10 km de Sarreguemines. L'obligation de porter un masque dans les lieux publics clos annoncée pour le 1er août est avancée et entre en vigueur suite à la publication du décret dès ce lundi 20 juillet. Le non-respect de cette mesure sanitaire sera sanctionné par une amende de 135 euros. Pour fêter son 10e anniversaire, Via Mirabel s'offre un nouveau nom. En 2018, la chaîne Messine Mirabel TV rejoignait le réseau Via et devenait Via Mirabel. Aujourd'hui, la chaîne marque encore plus son ancrage territorial et son attachement à son département en devenant Via Moselle TV. La commune de Sarralbe a organisé son premier marché du terroir et de l'artisanat sur le parvis de la mairie. 24 producteurs et artisans étaient présents. Le public s'est déplacé en nombre pour passer une soirée animée sur place. 3 autres rendez-vous sont déjà fixés pour cet été.